Bonjour et bienvenue dans cet épisode qui parlera encore très peu de Moyen-Âge, mais d'un sujet que j'aime et dont j'avais envie de parler depuis longtemps. Les gens tout nus! Suite à cette blague hilarante d'Aliénor, la prof hésita à engager un naturiste spécialisé dans les blagues de beauf pour cet épisode. Voici son histoire. Hé, hey, belle plante! Il fut immédiatement licencié. Bref, on va parler des naturalistes, ces scientifiques, explorateurs, voyageurs qui révolutionnent les sciences naturelles entre le 17e et le 19e siècle. Le terme de naturaliste apparaît en Europe en 1527 et désigne les spécialistes d'histoire naturelle, mais aussi ceux qui sont chargés de récolter les spécimens ou encore ceux qui les vendaient, et aussi ceux qui suivaient leurs instincts naturels. Un terme un peu fourre-tout donc. L'intérêt pour l'histoire naturelle ne date pas du XVIe siècle. Dès l'Antiquité, elle regroupe la botanique, la zoologie, la géologie et passionne des savants tels qu'Aristote ou Pline l'Ancien. Le premier zoo est créé en Assyrie au 7e siècle avant Jésus-Christ et marque le début de cette passion pour les animaux sauvages qu'on aime à collecter, offrir ou chasser. Les savants gréco-romains initient également l'inventaire et la classification de la faune et de la flore. À mon époque, les savants arabes et occidentaux s'inspirent des traités antiques, mais ajoutent aussi des observations personnelles. Ils ajoutent aussi beaucoup de théologie à leurs travaux. Pour eux, les animaux sont l'expression de la perfection divine. Mieux, ils encouragent l'étude des sciences parce que la création permettrait de mieux comprendre le créateur. À l'époque moderne, cette idée prend le nom de théologie naturelle. Certains savants s'extasient devant les merveilles de la nature et en tirent des conclusions sur l'existence et la bonté de Dieu. Dès le XVIe siècle, avec en plus le courant humaniste qui parcourt l'Europe, on s'émerveille devant les animaux, les végétaux, les minéraux. Et l'exploration de l'Amérique et des Indes permet de découvrir de nouvelles espèces que les botanistes rêvent de connaître et de classifier. L'un des objectifs des expéditions transportant des naturalistes à partir du XVIIe siècle est donc la science. Il peut s'agir de découvrir la faune et la flore d'une nouvelle région du monde, de rencontrer des peuples inconnus, de ramener en Europe des spécimens de plantes ou d'animaux, ou encore de réaliser des observations astronomiques. Les voyages permettent aussi de compléter les cartes. L'un de leurs buts premiers est souvent de découvrir de nouvelles terres, de tracer les côtes des continents ou d'îles, de trouver de nouvelles routes maritimes. Ensuite, bien sûr, les États ne financeraient pas de telles expéditions sans une idée politique derrière. Ces voyages permettent d'effectuer des reconnaissances, d'établir des liens diplomatiques ou commerciaux, ou encore de prendre possession de territoires considérés comme vierges et de les coloniser. C'est le cas de l'Australie, par exemple, où les Britanniques s'installent à partir de 1788, malgré la présence des aborigènes. L'exploration scientifique permet aussi, tout comme la colonisation, de faire rayonner la puissance des États, de constituer les collections les plus larges possibles de spécimens biologiques ou minéraux. La croissance démographique et économique de l'Europe au XVIIIe siècle contribue à encourager les recherches en sciences naturelles, puisqu'il y a aussi un but économique derrière tout ça. Découvrir les propriétés des végétaux permet de les appliquer à l'agronomie, à l'industrie ou à la médecine, dont la botanique reste une science annexe jusqu'au XIXe siècle. Ainsi, de très nombreux naturalistes sont aussi médecins et cherchent à développer les connaissances sur des plantes exotiques ou locales. Quand ils voyagent, ils sont aussi chargés d'évaluer les ressources exploitables. C'est le cas de l'expédition de la Vénus, par exemple, dans les années 1830, qui doit évaluer l'intérêt de la chasse à la baleine dans le Pacifique. Faut pas chasser les baleines. Pour les savants, les voyages sont l'occasion de valider des théories, de faire de nouvelles découvertes et aussi de se faire un nom. Les récits de voyage sont de grands succès littéraires au XVIIIe siècle. À la fin de ce siècle, malgré le bilan scientifique positif des voyages, certains se posent la question de leur utilité. Buffon passe sa vie dans son cabinet et ne travaille qu'à partir de ses livres et des collections qu'il acquiert. Toutefois, les voyages sont nécessaires pour enrichir les collections et permettent de produire récits de voyages et observations de terrain que de simples collecteurs de spécimens ne pourraient pas réaliser avec autant de précision. Voyage et travail de bureau sont donc complémentaires. D'autant que les voyages servent, comme on l'a vu, un intérêt scientifique, mais aussi politique et économique. Les expéditions naturalistes sont souvent divisées en deux temps. Jusqu'aux années 1770, elles sont plutôt le fait de voyageurs philosophes, issus des pensées humanistes, puis des Lumières, qui parcourent le globe avec une perspective encyclopédique, connaître le monde. Il s'agit souvent alors d'aventures individuelles. Dans les années 1780, les voyages deviennent plutôt des expéditions collectives, visant plusieurs objectifs, aussi bien politiques que scientifiques. Les naturalistes sont alors chargés d'une mission et se transforment parfois en simples collecteurs et enquêteurs au service de leur administration. Des instructions de voyage voient le jour et les pratiques d'observation, de collecte et de conservation des spécimens sont normalisées. En France, cette transformation est initiée par la Révolution française. À partir de 1789, l'Assemblée cherche à encadrer les voyages scientifiques afin qu'ils servent plus la nation que leur gloire individuelle.
La jeune République française encourage aussi la connaissance du territoire français, une manière de se l'approprier avant de partir explorer l'autre bout du monde. Entre 1792 et 1802 est rédigé un voyage dans les départements de la France en 14 volumes qui incite la population et les scientifiques à s'intéresser à leur propre pays. À partir de 1794, les savants accompagnent aussi des expéditions vers des territoires occupés par la France afin de superviser la confiscation d'objets et parmi eux des collections naturalistes. Bien sûr, des entreprises collectives existent avant 1780, comme on le verra ensuite, et les expéditions individuelles continuent par la suite. Les savants sont plus encadrés par l'État et sont plus aux yeux de quantifier et de mesurer les choses et les territoires, mais ils restent pour la plupart imprégnés par les idées des Lumières. L'État encourage donc les voyages scientifiques depuis longtemps. Entre 1601 et 1615, l'apothicaire Jean Mocquet voyage autour du monde pour le compte d'Henri IV puis de Louis XIII, et dirige à son retour le cabinet de singularité créé par le roi au Louvre. Louis XIII est aussi le fondateur du Jardin royal des plantes médicinales en 1635. Le jardin n'a rien d'un simple lieu de plaisance. Il rassemble des plantes exotiques et ses surintendants encouragent la recherche et les expéditions. En 1793, ce jardin devient le Muséum national d'histoire naturelle. Est-ce parce que ce titre contient un mot vaguement latin que vous me le faites lire ? Louis XV s'intéresse également aux sciences naturelles et à la médecine. Il possède son propre cabinet de curiosités, encourage l'extension du Jardin du Roi par Buffon et est l'initiateur de plusieurs expéditions telles que celle de Bougainville en 1766 qui transporte le naturaliste Philibert Commerson. L'expédition transportait aussi la maîtresse de ce dernier déguisée en homme, Jeanne Barret, mais ça on en a déjà parlé dans un Gentenam Badass. Suivez un peu. Et puis Louis XVI s'intéresse à la géographie. Il supervise l'expédition de la Pérouse qui fait malheureusement naufrage, comme son règne. Les grandes académies fondées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle jouent un rôle déterminant dans le financement et l'organisation des inventaires naturalistes. L'Académie des sciences est fondée en 1666, 6 ans après la Royal Society de Londres. Cette institution, ainsi que d'autres organismes comme la Société Royale de Médecine, procède à de nombreuses enquêtes géographiques, topographiques, biologiques, botaniques et géologiques en France et à l'étranger. Les académies des sciences rédigent des manuels d'instruction pour les expéditions maritimes et sont chargées de désigner les savants qui accompagneront telle ou telle expédition. Le Muséum d'histoire naturelle rassemble aussi une collection de plus en plus importante puisque la plupart des spécimens rapportés par les expéditions françaises y atterrissent. En Angleterre, le British Museum acquiert lui aussi une collection de plus en plus démesurée au cours du XVIIIe et du XIXe siècle. Ces organismes publient des ouvrages dédiés aux méthodes de collecte et de conservation des différents spécimens en bocaux, en herbiers... En soupe ! Non. Au XIXe siècle, le nombre de sociétés savantes explose, les académies de province se multiplient et les disciplines se spécialisent. Botanique, géologie, zoologie, ornithologie... Les académies permettent aussi une reconnaissance officielle des disciplines scientifiques. Même s'il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu'un botaniste ou naturaliste puisse espérer faire carrière uniquement dans ce domaine. Beaucoup sont aussi médecins ou bénéficient d'une fortune familiale qui les met à l'abri du besoin. Les naturalistes du début de l'époque moderne sont empreints d'humanisme, comme Peiresc, qui est à la fois astronome, géographe, botaniste, collectionneur, il acclimate des plantes exotiques dans sa demeure, découvre la nébuleuse d'Orion, recalcule la longueur de la Méditerranée, dessine une carte lunaire avec des amis, défend Galilée lors de son procès... Bref, un gars à la vie bien remplie. Pour les naturalistes de son époque, la science est un inventaire adressé, une somme de connaissances riches et diverses à accumuler et à diffuser le plus possible. Aucune discipline ne se suffit à elle-même, toutes se complètent. Jusqu'au XIXe siècle, les naturalistes sont pour beaucoup des amateurs instruits, notamment quand il s'agit de l'étude d'animaux ou de végétaux. Au XVIIIe siècle, le grand public se passionne pour la botanique et de nombreux amateurs se lancent donc dans l'inventaire de la flore. Un papillon, deux papillons, trois papillons. On trouve parmi eux aussi bien des hommes que des femmes qui collectent des spécimens, constituent des herbiers et publient même quelques ouvrages. L'enseignement érudit des sciences naturelles reste réservé aux étudiants, mais de nombreux ouvrages à destination du grand public sont publiés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, signe de l'engouement pour cette discipline. Le nombre d'ouvrages appelés flore à cette époque est impressionnant. À côté, des naturalistes professionnels comme Jussieu ou Buffon sont patronnés par de grandes institutions ou des grands personnages pour se consacrer à leurs activités. Les médecins naturalistes constituent une troisième catégorie de personnes. Ce sont des personnes issues de milieux moyens ou modestes, intéressées à la botanique dans le cadre de leurs études et qui continuent de la pratiquer en tant que loisir ou dans le cadre d'un poste universitaire ou académique. Être admis dans une société savante est une étape particulièrement forte dans leur carrière, une reconnaissance de leur travail.
Parmi ces sociétés savantes, j'ai découvert au cours de mes recherches l'existence de la Société des Amis de l'éléphant, fondée en 1905 à Paris et qui visait à limiter la chasse à l'éléphant en Afrique. Un bel exemple de la lutte contre la disparition des espèces menacées, même si les fondateurs de la société considèrent surtout que l'éléphant pourrait être domestiqué en Europe pour porter de lourdes charges. La société a une portée scientifique, mais surtout mondaine. Elle donne des dîners principalement et disparaît en 1910. Au début du 19e siècle, l'activité des naturalistes bat son plein, et on comprend qu'une accumulation des connaissances du monde est compliquée. Personne ne peut plus prétendre tout connaître, il faut collaborer. Les naturalistes publient des récits de voyage et des mémoires scientifiques, souvent rédigés en parallèle et aux limites parfois floues. On trouve des notes scientifiques au milieu des récits de voyage et l'émotion ressentie face à un paysage au milieu d'observations plus concrètes. Tous ces naturalistes, amateurs, médecins, professionnels correspondent à travers l'Europe et permettent la diffusion des connaissances et le développement de la recherche. Les correspondances des naturalistes se retrouvent même parfois dans des publications scientifiques, si elles contiennent des informations ou des découvertes importantes. Le papier étant encore pas trop diffusé, certaines sont écrites sur des supports inattendus. Le naturaliste Guettard écrivait parfois sur des jeux de cartes ou des programmes de théâtre. Avec leurs lettres, ils s'échangent des échantillons, des herbiers, des idées. Les herbiers surtout constituent la base du travail des naturalistes et font l'objet d'un commerce florissant. Florissant, herbier. Les illustrations sont une autre composante importante et sont l'apanage d'artistes spécialisés dans la peinture de fleurs. Les grandes expéditions des 18e et 19e siècles embarquent toujours un peintre ou dessinateur avec leur équipe scientifique, dont le travail est de dessiner tous les spécimens découverts durant le voyage en vue d'une publication. Ces illustrations permettent de continuer le travail d'identification et de classement des naturalistes lorsque le spécimen n'est plus assez frais. Elles sont donc d'une grande précision scientifique et ne sont dépassées qu'avec le développement de la photographie au XXe siècle. Jusque dans les années 1960, malgré tout, le British Museum continue de financer un service complet de dessinateurs et de les embarquer dans ses expéditions. À cause du nombre grandissant d'espèces découvertes, se pose la question de leur classification. Il existe en effet un risque que des inventaires zoologiques ou botaniques se superposent, suivant chacun leur propre logique ou donnant plusieurs noms à une même plante. Au début du XVIIIe siècle, les botanistes répertorient plus de 10 000 espèces selon un classement alphabétique largement dépassé. Il est donc nécessaire de normaliser la classification des espèces et de la rendre universelle. Durant l'Antiquité, la classification dépendait de la manière dont les hommes voyaient les espèces végétales ou animales. Dans son traité d'agronomie, Varron classe les animaux selon leur type d'élevage et leur utilité. Au début du XVIe siècle, Cézalpino et Gesner fondent la notion d'espèce, soit un groupe d'individus qui se reproduit à l'identique. Leur croisement donne donc un hybride. Comme les centaures ? Ouais. Les naturalistes du XVIIIe siècle continuent de se reposer sur cette notion d'espèce, mais doivent trouver comment les organiser. Environ 25 systèmes de classification différents sont proposés dans la première moitié du XVIIIe siècle. Pour les plantes, Tournefort propose un système reposant sur la forme des corolles des fleurs, par exemple. Charles Linné, un naturaliste suédois, fonde un système dépendant du nombre et de la disposition des organes sexuels des plantes. Il est ensuite abandonné au profit de la méthode naturelle qui regroupe les espèces selon leur ressemblance morphologique. Elle est améliorée par d'autres naturalistes comme Jussieu ou Cuvier qui l'adaptent aux animaux. Linné marque plus durablement les sciences par sa nomenclature. Jusque-là, on nommait une espèce par un nom, suivi d'une série de qualificatifs parfois longs comme le bras. Linné propose en 1753 une nomenclature binominale, en latin, avec le nom du genre et le nom de l'espèce. Homo sapiens, par exemple, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Il la propose d'abord pour les plantes, puis l'élargit aux animaux en 1758. Elle est universellement adoptée. Grâce à cette nomenclature, les savants de tous les pays peuvent établir un savoir commun, et les générations suivantes risquent moins de repartir de zéro. On peut dire que la gloire de la botanique s'augmente surtout en ce temps, où de toutes parts des hommes habiles et nés pour de tels mystères observent dans les lieux où ils demeurent chaque plante, en particulier qu'ils les marquent, les décrivent, en donnent les dessins et les conservent entre des feuilles de papier, afin que par là ils augmentent les monuments immortels à un art qui ne périra jamais. La réforme protestante joue pour beaucoup dans la réinterprétation de la place des hommes et des animaux. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, la théologie naturelle veut que les animaux soient sur Terre pour être dominés par les hommes, et donc chacun a une signification symbolique ou morale qu'on retrouve dans les bestiaires médiévaux. Le lion pour le courage, par exemple. À partir de la fin du Moyen-Âge, cette lecture allégorique commence à être rejetée, et la nature est davantage observée d'un point de vue scientifique. La religion ne disparaît pas pour autant, et l'étude des sciences est encouragée par l'Église car elle permet de mieux connaître l'œuvre de Dieu. William Durham, naturaliste et théologien, publie ainsi en 1689 l'ouvrage de théologie naturelle, La démonstration de l'existence et des attributs de Dieu.
La théologie naturelle connaît un grand succès au XVIIe siècle, bien qu'elle soit maintenant obsolète, elle joue un grand rôle dans la genèse du naturalisme qu'on connaît au XVIIIe et XIXe siècle. Elle questionne la relation entre l'homme et la nature et ébauche même une approche écologique en s'intéressant au bien de toutes les espèces naturelles. Durant l'Antiquité, les sciences naturelles commencent à soulever quelques questions auxquelles les naturalistes des époques suivantes tentent de répondre. La durée des temps géologiques, par exemple, fait débat et oppose les partisans d'un temps long avancé par Aristote et les partisans du temps décrit dans la Bible. Ce débat entre aristotéliciens et théologiens est rouvert au XIIIe siècle, à l'époque de l'émergence des universités. Les fossiles, surtout, soulèvent beaucoup de questions, même si on pense jusqu'au XVIIe siècle qu'ils sont issus de générations spontanées au milieu des rochers. Le savant arabe Avicenne, au XIe siècle, pense que les fossiles proviennent d'une coagulation de l'eau qui pétrifie les animaux marins qui s'y trouvent. Ce qui est moins con, même si la théorie de la génération spontanée demeure. Léonard de Vinci les étudie également et pense que les fossiles sont d'anciens coquillages pétrifiés par les sédiments, mais ces carnets sont assez peu diffusés. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle qu'on se dit qu'ils sont peut-être des organismes ayant vécu dans les temps passés, mais alors ils sont aussi pris comme une preuve de l'existence du déluge. L'ancienneté de ces fossiles fait aussi débat. Au Moyen-Âge déjà, certains savants sont partisans d'un temps long pour l'âge de la Terre. C'est le cas d'Averroès et d'Albert le Grand, tous les deux partisans de la théorie d'Aristote. L'évêque de Paris condamne cette théorie au XIIIe siècle. Au XIVe siècle, Jean Buridan, recteur de l'université de Paris, pense que l'univers est éternel et gouverné par les astres, et il pense que la Terre est divisée en plusieurs cycles longs de dizaines de millions d'années. Au XVIIe siècle, de nouvelles théories apparaissent. René Descartes pense que l'âge de l'univers n'a pas de limite, et que la Terre est une ancienne étoile en train de se refroidir. En même temps, l'Église continue de condamner certaines idées, comme celle de Galilée. Au XVIIIe siècle, de plus en plus d'auteurs pensent que la Terre est plus vieille que ce qu'en dit la Bible, mais les calculs sont difficiles à faire. Buffon table sur 80 000 ans, mais c'est encore trop long pour les défenseurs de l'Église et il renonce donc à son hypothèse. Le géologue Giraud Soulavi, également au XVIIIe siècle, calcule l'âge de la Terre à partir de l'érosion des sols, mais est également critiqué. Les naturalistes se rallient progressivement à l'idée d'un temps long à partir du début du XIXe siècle, mais sont alors divisés entre ceux qui pensent qu'il s'agit d'une succession de temps calmes et les catastrophistes qui pensent que ce sont des temps longs divisés par des catastrophes. L'analyse des sédiments, de la salure de l'eau de mer ou de la décomposition des éléments radioactifs et tout ce qui permettrait de calculer l'âge réel de la Terre reste de toute façon hors de leur portée, mais les progrès sont réels. S'agissant des espèces, dont l'évolution et la disparition de certaines d'entre elles commencent à être admises, Don Calmé avance au XVIIIe siècle qu'une seule espèce par genre a pris place sur l'Arche de Noé et qu'elle a ensuite évolué et engendré toutes les espèces actuelles de son genre. En 1809, Lamarck publie sa philosophie zoologique, dans laquelle il définit le transformisme, et il explique que les animaux se modifient par adaptation à leur milieu. Il explique aussi que les habitudes des espèces entraînent le développement ou la régression de certains organes, et que cela ne peut se faire que sur un temps long. Il intègre les fossiles à sa théorie, considérant que les animaux perdus sont les ancêtres des animaux du monde actuel. À côté de ces travaux, d'autres naturalistes fondent la paléontologie stratigraphique qui met en parallèle la superposition des terrains et la superposition des faunes et des flores. En 1831, Charles Darwin est un jeune théologien de 22 ans qui embarque à bord du Beagle en tant que naturaliste. Le navire longe les côtes d'Amérique du Sud, entre Rio et la Terre de Feu, et Darwin passe beaucoup de temps à terre durant les escales, faisant des incursions de plusieurs centaines de kilomètres et ramenant de nombreuses observations et spécimens à bord. Son passage aux Galapagos est le plus marquant et lui apporte des preuves de la théorie de l'évolution qu'il devinait déjà via les fossiles et les variations géologiques de la Terre. Aux Galapagos, il observe des espèces qui n'existent nulle part ailleurs, et même sur certains îlots, des formes endémiques distinctes des îlots voisins. Les pinsons surtout le marquent. Faute d'oiseaux concurrents, les becs des pinsons des Galapagos avaient évolué jusqu'à être adaptés à tous les types d'alimentation possibles sur l'île. Durant les années 1850, le scientifique Bates fait une observation similaire en Amazonie, où il découvre le mimétisme batesien. Des papillons inoffensifs copient l'apparence de papillons toxiques pour se protéger des prédateurs. De retour en Angleterre, Darwin passe de nombreuses années à étudier les données collectées durant son voyage, et publie en 1859 « L'origine des espèces », dans lequel il explique le principe de l'adaptation des espèces par la sélection naturelle, apparue par hasard dans l'enchaînement des générations. Il publie par la suite La filiation de l'homme, dans lequel il explique que l'homme et le singe ont un ancêtre commun. Darwin n'était pas athée, il se définit lui-même comme déiste, puis agnostique à la fin de sa vie. Sa théorie est largement adoptée par les scientifiques à la fin du XIXe siècle, même si certains pays pêchent encore un peu. Cela fait de lui un des moteurs de la laïcité scientifique. Comme je vous le disais, les expéditions naturalistes comportent des naturalistes, mais aussi des dessinateurs ou illustrateurs, et parfois des personnes plus spécialisées comme des géologues, zoologues, botanistes, astronomes, etc.
Jusqu'au 19e siècle, ces voyages demeurent inconfortables et précaires. Les mers sont inconnues, les instruments sont imprécis, les maladies et l'hostilité des populations rencontrées sont courantes. Les expéditions peuvent aussi rencontrer des bouleversements politiques. En 1791, un navire est envoyé à la recherche de l'expédition La Pérouse. Il est dirigé par D'Entrecasteaux. Alors qu'elle est en mer, l'expédition apprend la fin de la monarchie. Cela provoque des conflits au sein de l'équipage, les scientifiques s'affichent plutôt républicains, le chef de l'expédition meurt et les officiers partisans du roi décident de se rendre aux Hollandais. Il n'existe d'ailleurs pas que des expéditions maritimes. Beaucoup d'États commandent des expéditions terrestres, comme la Russie qui part explorer la Sibérie dans les années 1770, ou la France qui envoie plus de 150 États en Égypte en 1798. Dans cette partie, je vais donc vous présenter certains de ces voyages. Voici leur histoire. En 1687, Hans Sloan est un médecin reconnu de Londres, à une époque où la Royal Society vient tout juste d'être fondée et où la rigueur scientifique des récits de voyage laisse encore à désirer. Sloan s'intéresse à plein de domaines des sciences et est appelé au service du gouverneur de Jamaïque, ce qui lui convient fort bien. Durant son voyage et les 15 mois passés sur place, il amasse une quantité impressionnante d'observations d'animaux et des phénomènes naturels et ramène 700 espèces de plantes en Angleterre, ainsi que de nombreuses illustrations. Il embarque aussi un iguane, un crocodile et un serpent, mais l'iguane saute du bateau et se noie, le crocodile meurt à bord et le serpent s'échappe et est tué par un matelot. Pas de bol. En Angleterre, il redevient médecin mais agrandit son cercle de connaissances. Il publie l'histoire naturelle de la Jamaïque en 2 volumes et s'installe un cabinet de curiosités riche de 12 500 espèces végétales, 6 000 coquillages, 9 000 invertébrés, 1 500 poissons, 1 200 oiseaux et plus de 3 000 vertébrés, des milliers de fossiles, de minéraux, de roches, de métaux précieux et semi-précieux, 32 000 pièces et médailles, beaucoup d'antiquités et 50 000 livres. Bon, pas sûr qu'il les ait tous lus, hein. Il est élu président de la Royal Society à la suite d'Isaac Newton et lègue toute sa collection à la nation anglaise à sa mort en janvier 1753. Le British Museum est créé en juin de la même année puisque la collection de Sloan en constitue la base. En 1768, l'Angleterre est une grande puissance maritime. La Royal Society décide de lancer une expédition visant 2 buts principaux. L'observation du transit de Vénus devant le Soleil depuis Tahiti afin de calculer la distance Terre-Soleil et la découverte du continent austral encore hypothétique. À l'époque, on pense qu'il existe un continent austral équivalent à ceux de l'hémisphère nord et regorgeant d'espèces et de peuples nouveaux. L'idée, s'il était découvert, était de le cartographier, de ramener des spécimens, de prendre contact avec la population locale, les manchots, et d'en prendre possession pour l'Angleterre et Saint-Georges. James Cook, qui revenait de cartographier en Terre-Neuve, est nommé capitaine de l'Endeavour. Il transporte l'astronome Charles Green et le botaniste Joseph Banks, ainsi que 2 dessinateurs et un botaniste débutant. Cook est précis et méthodique. Son expédition ne déplore que 5 décès jusqu'à la dernière année, ce qui est rare pour l'époque. Pas de bol, le secrétaire du botaniste Banks et l'un de ses peintres font partie des victimes. C'est donc à Parkinson, le deuxième peintre, de se taper tout le boulot pendant le voyage. Il prend donc l'habitude de réaliser des croquis partiellement coloriés et de les terminer plus tard. Lors d'une autre expédition anglaise en 1801, le dessinateur Bower annote ses croquis d'un code couleur et ne les termine qu'une fois rentré à Londres, faute de temps. Parce que l'expédition est riche en découvertes. Cook observe le passage de Vénus, cherche le continent austral un moment sans succès, puis longe la Nouvelle-Zélande et cartographie la côte nord de l'Australie. Les botanistes récoltent au passage de nombreuses plantes et Parkinson réalise plus de 400 croquis durant cette période, de plantes, d'oiseaux, de poissons et de kangourous. Malheureusement, le navire fait escale à Jakarta sur le voyage du retour, ce qui entraîne la mort de 30 membres de l'équipage, dont l'astronome et le dessinateur Parkinson. Néanmoins, son expédition est un succès, et Cook et Banks rentrent en Angleterre plein de gloire et de nouveaux spécimens inconnus qui viennent compléter la collection du British Museum. Cook repart entre 1772 et 1775 avec 2 navires cette fois pour une 2e expédition à la recherche du continent austral. Son botaniste est cette fois Forster, accompagné de son fils George qui réalise 361 croquis durant le voyage, surtout au Cap où Cook fait étape. L'expédition descend ensuite vers le pôle sud à plusieurs reprises, mais la banquise l'empêche de repérer le continent antarctique. Cook ne s'approche au plus près qu'à 75 milles de la Terre, puis continue son voyage vers la Nouvelle-Zélande, Tahiti, l'île de Pâques, les Marquises, la Polynésie. Il découvre les Nouvelles Hébrides et la Nouvelle-Calédonie, puis rentre en Angleterre en n'ayant encore perdu que 4 hommes durant le voyage. 3 récits de l'expédition sont publiés par Cook, George Forster et son père. La dernière expédition dont je voulais parler est celle de Lewis et Clark de 1804 à 1806. À l'époque, les États-Unis sont un jeune pays dirigé par Thomas Jefferson, qui est passionné de nature et s'intéresse surtout au territoire au-delà du Mississippi, par son côté naturaliste et par son côté président d'un pays qui cherche à s'étendre. Il envoie donc une expédition avec un cahier des charges bien rempli.
cartographier le territoire, récolter des spécimens, prendre contact avec les populations locales, faire des relevés astronomiques. Bien sûr, il y a un souci de commerce et d'appropriation du territoire, mais l'expédition est avant tout scientifique, et les tribus amérindiennes sont étudiées d'un point de vue anthropologique. C'est aussi l'une des rares expéditions américaines à s'être déroulée sans violence. Lewis et Clark échangent des connaissances avec les locaux, se plient à leurs rites et cherchent à apprendre leur langue. Ils sont les premiers à faire des descriptions détaillées de la diversité culturelle des différentes tribus, aussi bien au niveau de leurs traditions que de leur habitat, de leurs vêtements, de leur organisation sociale. La division du travail surtout les étonne, parce que dans beaucoup de tribus, les femmes effectuent les mêmes tâches que les hommes. Cette étude anthropologique, voulue par Jefferson, s'explique si on la remet dans le contexte de l'époque. En 1803, il ignorait que les natifs allaient pratiquement disparaître et pensait plutôt que leur culture allait être progressivement remplacée par le mode de vie américain. Il tient donc à collecter le plus d'informations possible avant ça. Par la suite, et même sous la présidence de Jefferson, l'attitude envers les natifs devient beaucoup plus violente et les scientifiques ont donc pour mission de récolter le plus d'informations possible. Et à leur piquer leurs objets avant qu'ils disparaissent. En 1803, donc, on n'en est pas là. Lewis et Clark créent des liens de confiance avec les tribus rencontrées, dans un but commercial principalement, et sont pour ça en concurrence avec les Britanniques bien implantés dans la région. Ils échangent donc des armes et des objets avec les natifs pour en faire de futurs consommateurs des produits américains. Ils étudient énormément la nature aussi, et renvoient à l'American Philosophical Society des spécimens variés, de plantes, de rapports, de spécimens, d'articles amérindiens, etc. Science et politique sont entremêlées tout au long de l'expédition. La collecte d'informations naturalistes vise à identifier les futurs biens exploitables, à découvrir des plantes médicinales par exemple. Maîtriser les ressources permet de préparer l'appropriation du territoire. La toponymie a aussi son importance. Tout au long de l'expédition, Lewis et Clark renomment les fleuves, les montagnes et les territoires traversés, en hommage à leurs guides, à leurs proches ou aux hommes politiques célèbres de l'époque. Cette appropriation par les noms permet d'inscrire l'Amérique dans l'Ouest, tout comme les rapports de mission qui sont publiés par la suite permettent de rendre l'Ouest concret aux yeux des Américains. Même si l'Ouest américain reste... lointain. Je me limite à ces trois expéditions parce qu'il y en aurait énormément d'autres à citer. J'aurais pu parler de celles de Bougainville, du Challenger, de l'Astrolabe, et je vous invite donc à vous renseigner dessus parce qu'il y a plein d'histoires passionnantes à découvrir. À la fin du 19e siècle, le terme de naturaliste tend à disparaître parce qu'il est remplacé par les différentes spécialités, la botanique, la zoologie, la géologie, etc. La mission des naturalistes de dresser un inventaire du monde perd aussi de son intérêt parce qu'on considère qu'il est découvert entièrement ou presque. De nos jours, cette idée d'inventaire connaît un renouveau, avec la prise de conscience qu'une grande partie de la biodiversité nous reste inconnue, et avec la 6e grande crise d'extinction que nous traversons et dont nous sommes en grande partie la cause. De nouvelles expéditions sont organisées pour récolter des spécimens inconnus avant qu'ils ne disparaissent, les étudier en laboratoire et les faire entrer dans les collections et les bases de données internationales. Ces nouveaux objets d'étude peuvent également faire avancer la recherche dans le domaine de la santé par exemple, ou permettre de lutter contre la disparition de la biodiversité. Parmi les expéditions modernes, on peut citer celle du commandant Cousteau, de 1951 à 1996, qui accueillait de nombreux scientifiques à bord et ont permis de développer l'étude de la biodiversité marine, et de compléter les collections du Muséum d'Histoire Naturelle d'un bon millier de spécimens. De nombreuses missions françaises sont aussi lancées vers l'Antarctique, depuis la découverte de la Terre Adélie par Dumont d'Urville en 1840. Elles échantillonnent, observent les espèces et dressent un inventaire détaillé de la biodiversité, tout en étudiant aussi les perturbations des changements climatiques sur ces espèces. Enfin, en 2009 a été lancé le programme La Planète Revisitée par le Muséum d'Histoire Naturelle et ProNatura International. Son objectif est de développer les connaissances sur les zones les plus riches en biodiversité et les plus menacées de la planète. Depuis son lancement, il a déjà organisé 5 expéditions, le Vanuatu, le Mozambique et Madagascar, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, et continue de travailler sur de nouvelles destinations. Tout comme au XVIIIe siècle, des amateurs peuvent aussi prendre part aux inventaires naturalistes via de nombreuses institutions, comme les conservatoires botaniques, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les parcs nationaux, des centres de recherche, des bureaux d'études privés ou des associations. Recenser les papillons dans son jardin ou les oiseaux entendus lors d'une promenade en forêt, pour un amateur entraîné, participe à cet effort d'inventaire. Toutes disciplines confondues, les sociétés savantes et associations regroupent 800 000 membres en France, dont 10% actifs dans la recherche. Ces sociétés et ces associations publient des bulletins ou des documents d'information pour le grand public. On compte par exemple plus de 40 périodiques régionaux sur l'ornithologie. L'apport des amateurs est d'autant plus précieux qu'ils se consacrent souvent à des domaines délaissés par la recherche professionnelle, l'étude des escargots, des chauves-souris ou des plantes qui poussent en ville.
Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et sachez que ceux qui sortiront à partir de cet été seront un petit peu différents, puisque je déménage. Ceci était donc le dernier tournage dans cet appartement qui aura connu Time Warp, Chronique de Prof et tant d'aventures. Bref, à bientôt pour un Gentedame Badass, partagez cet épisode si vous l'avez apprécié, et je vous rappelle que vous pouvez contribuer au financement de ma chaîne sur Tipeee ou Utip, les liens sont dans la description. Merci beaucoup, au revoir. On a floating lily island, moving over slowly sideways, dressed in temperamental creatures, spending all of the days praying for the floor to buckle down below the bends, crashing into yet another drifting continental shell. Moving without motion, screaming without sound across an open ocean, lying there on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound across an open ocean, flying there on temporary ground.